calmant, apaisant. Mettez tout ça dans une housse en tissu et vous obtenez un oreiller 100% végétal. Convaincue par les bienfaits de ces oreillers, Valérie a même décidé de les vendre entre 30 et 65 euros pièce. Voilà l'oreiller prêt à être vendu. Chaque jour, elle fabrique une vingtaine de ces oreillers écologiques et relaxants aux mille et une vertus. D'après elle, il n'y aurait pas mieux pour se réveiller sans torticolis. Le gros avantage de l'oreiller végétal, c'est son maintien ferme. Et surtout, qui est d'une bonne fluidité, qui va vraiment épouser votre nuque, votre hauteur d'épaule, pendant toute la nuit, suivant les diverses positions que vous allez pouvoir prendre. Et un dernier avantage pour la route, Valérie a une astuce pour conserver votre oreiller végétal pendant plusieurs années. Une fois par an, vous videz l'oreiller, vous mettez le mélange au soleil. En faisant ça, tous les ans, vous avez une durée de vie moyenne de 7 ans d'un oreiller comme ça. Un véritable atout comparé aux oreillers traditionnels en plume ou en mousse qu'il faut changer tous les 2 ans. Mais que valent réellement les oreillers végétaux? Nous avons demandé son avis à notre vendeuse spécialiste de l'oreiller, qui a quelques réserves. Les oreillers en épeautre, c'est certainement très confortable, mais en fait, il y a des problèmes d'allergie. Donc c'est vrai qu'on le déconseille réellement aux gens très allergiques ou asthmatiques, parce qu'en